Je m'appelle Michael Chardon, je suis enseignant au lycée Saint-Joseph depuis quelques années maintenant, d'histoire-géographie évidemment. Ça a commencé il y a 18 mois maintenant. C'est une classe avec laquelle je m'entendais bien, donc je les avais en classe de première ES, économique et sociale. Et je savais que je les accompagnerais en classe de terminale. Et avec le nouveau programme, il y a une mise en lumière sur la dimension géopolitique du Moyen-Orient, Proche-Orient, puis la question du patrimoine à Jérusalem aussi. Donc j'ai trouvé ici l'idée d'un projet avec une classe plutôt sympathique à réaliser cette année en terminale ES. Donc voilà d'où est né le projet. La première des démarches était est-ce que c'est possible d'organiser un voyage scolaire en Israël et en territoire palestinien ? Donc je me suis déjà préoccupé de savoir s'il existait des organismes partenaires pour construire le projet. Et là, il faut dire que c'était un peu difficile à trouver parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peu d'organismes qui proposent clé en main, en tout cas des séjours comme ça. Donc j'ai réussi à en trouver un et le projet a été construit entre eux et moi. Donc rien n'était au départ défini, il a fallu tout construire de A à Z. En même temps, ce qui était intéressant aussi, c'était la richesse du projet, quoi. C'est que c'était quelque chose que j'allais pouvoir contrôler, maîtriser, entre guillemets, du début jusqu'à la fin. Donc il y a une dimension un peu expérimentale dans ce projet. Voilà. Franchement, la première fois qu'on nous a dit ça, je vais pas vous cacher, j'étais pas déçu, mais je m'attendais peut-être à mieux. On s'attendait à Rio de Janeiro, San Francisco, enfin des trucs un peu comme ça. Et on s'est dit, bon, on va lui faire confiance. S'il nous a prévu ce voyage-là, c'est parce qu'il y a des raisons. J'ai été assez sceptique, parce que c'est vrai que c'est pas des pays qui m'attirent à la base. Mais j'ai pensé que c'était une bonne expérience. C'est vrai qu'au début, il nous faisait une grosse surprise depuis la première. Il nous disait, attention, on prépare un voyage, je vous dis pas. Donc on se disait, on misait, franchement, on faisait des paris. Hein. On disait, moi, je mise sur la Chine, le Brésil. On voyait vraiment une grosse destination. Quoi. À Rio, je voyais tout de suite, là, il nous a dit Jérusalem. Et au début, j'y croyais pas parce que ça me semblait bizarre en fait. Parce que on sait que c'est une région du monde où il y a plein de conflits. Et donc je pensais pas que l'école pouvait nous amener là-bas en fait. Et après, on m'a dit que c'était vrai, donc j'y ai cru. J'avais du mal à imaginer que l'on puisse amener des élèves pacifiquement sur un terrain aussi tendu. J'étais surtout surprise, mais j'avais pas spécialement d'idée. J'imaginais mal Israël, du coup, je me disais, ben cool, enfin, ça va être un truc que je connais pas, je vais découvrir un truc et... Pas du tout, je savais pas du tout ce qui se passait. Enfin, on en entendait vite fait parler, mais j'étais pas au courant vraiment du conflit en lui-même. Quoi. J'avais entendu parler du mur, des conflits, enfin, des quelques attentats, mais c'était des choses qui remontaient à loin pour moi, des choses qui étaient avant ma naissance ou... Enfin, pour la majorité, j'étais pas née, donc non. Enfin, c'est juste des évocations à la télévision, dans les journaux, quoi que ce soit, mais sans plus. J'ai failli pas partir. Bah, mon père, il était pour, parce que voilà, ça lui faisait plaisir. Mais ma mère avait très 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 peur. Parce qu'elle se disait, bon, Israël, c'est dangereux, il y a la Palestine à côté, il y a des conflits, machin. Il y a eu des attentats il y a une dizaine d'années, tout ça. Et ouais, elle a beaucoup hésité. Bah, moi, ma mère, elle était... Super enthousiaste parce que ma mère elle est assez chrétienne. Mes grands-parents ils sont déjà allés et tout et ouais, elle avait vraiment envie que j'aille. Monsieur Chardon a souvent proposé à ce que les parents l'appellent s'ils avaient des questions, des choses comme ça. Je pense qu'il a réussi à séduire les parents avant de séduire les enfants parce que moi Israël, sincèrement j'entendais vaguement parler du conflit mais sans plus, je n'avais même pas étudié ni quoi que ce soit. Donc voilà, il a bien réussi son coup je pense. C'était un peu qui tout doux parce que je ne savais pas comment les parents allaient recevoir la destination. Et globalement, on peut dire que ça s'est bien passé, puisque 15 jours après, 3 semaines maximum, j'avais quasiment mon effectif pour le voyage. Donc sur une classe de 35 élèves, 31 sont partis avec moi en Israël et en Palestine. Donc je pense que voilà, ça a été bien reçu. C'est un voyage qui a plusieurs objectifs. Il a un objectif géographique, que les élèves prennent conscience d'une réalité politique, d'une réalité conflictuelle en Israël. Mais le projet a également un objectif pédagogique. Et l'objectif pédagogique, c'est que les élèves fassent une expérience personnelle, d'autant plus forte que
cette terre d'Israël et de Palestine, trois fois sainte, n'est pas innocente. J'insiste, j'avais confiance plutôt quand même dans cette classe, parce que je ne serais pas parti avec n'importe quelle classe, là je les connaissais bien, malgré qu'ils soient très nombreux. C'est une classe qui est sympa, qui sait s'intéresser aux choses. Et d'ailleurs, l'expérience du voyage m'a montré que j'avais raison, puisque pendant toute la durée du voyage, ils ont été curieux, attentifs. Bon, après, ça reste des jeunes, mais ils étaient vraiment intéressés par cette expérience. Donc, voilà. On est arrivé à Tel Aviv, donc l'aéroport Ben Gourion. Puis très vite, on est parti direction le nord, en Galilée, notamment sur les traces de Jésus, donc avec les grands sites traditionnels, Nazareth, Tagba, Capharnaüm. Donc on est monté jusque dans la ville de Tibériade, qui est quasi à la limite du plateau du Golan, quoi. Donc on était quand même bien, bien au nord. Puis ensuite, on est redescendu Jérusalem, puis plus au sud, du côté de Bethléem, voilà, la mer morte. Donc on a fait plutôt un parcours nord-sud. Voilà. Quand on arrive en Israël, la première chose qui nous a marqué, c'est la douane. Et une douane qui n'hésite pas à interroger les personnes selon leur faciès, selon leurs origines. Ce sont des choses qu'on ne soupçonne pas quand on est en France. Effectivement, il y a un professeur et une élève qui ont été retenus par, gentiment, hein, par les douanes. Donc ils ont eu le droit à un interrogatoire pour savoir quelles étaient leurs motivations à venir visiter Israël. Au début, avant le voyage, je me disais que ce serait assez amusant quand même que moi je me fasse arrêter, qu'on vienne me poser des questions. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment la grosse blague qu'on viendrait me faire. Et en fin de compte, c'est arrivé. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez cocasse. Pour certaines personnes, il y a deux, trois questions qui ont été posées, donc ça a été un peu moins fluide que pour d'autres. Donc pour quelques personnes, il a fallu appeler un professeur et en quelques minutes, c'était réglé, sauf pour moi. Et donc ça a duré un peu plus de temps. On m'a emmenée donc dans une salle d'attente ouverte avec la télévision, je veux dire un distributeur. C'était assez libre. Si je voulais, je pouvais très bien repartir dans le sens inverse. Il n'y avait pas de problème. Je savais très bien que j'étais pas là pour des raisons de terrorisme ou quoi que ce soit. Du coup, enfin, il n'y avait pas de raison qui me laissait passer. Ça nous a tout de suite mis dans le bain en fait. Je savais qu'on allait faire face à ce genre de racisme entre les deux peuples, mais ça m'a fait un petit peu bizarre que finalement des Français soient impliqués là-dedans dès l'arrivée en fait, alors qu'aucun des deux n'était palestinien ou israélien. Ou... Ce qui fait que le groupe se posait bien la question de ce qui se passait. Donc on attendait au pied du bus le professeur et l'élève. Donc c'était aussi pour nous, professeurs, et moi particulièrement, une manière d'engager la réalité de notre voyage en disant oui, on est dans un pays qui est extrêmement sécurisé, où il faut justifier ses déplacements. Là, il y avait déjà une mise en situation bien concrète avec notre arrivée à l'aéroport. J'ai une image, c'était dans la vieille ville de Jérusalem. On était dans le quartier musulman, donc dans le souk, tout ça. On se baladait dans le souk, et là d'un coup on tourne à droite, on fait 10 mètres, et là on se retrouve dans le quartier chrétien. En espace de 2 minutes, on a un paysage complètement différent. Et on était ébahis devant ça, enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué, quoi. Bah, j'ai préféré voir ce que Jésus a pu voir. Parce que dans le désert, on voit, il n'y a vraiment rien, il n'y a même pas une bouteille qui traîne par terre. Il n'y a rien, c'est tel que c'était au temps de Jésus. Donc on voit par nos yeux ce que lui, il a pu voir par les siens. La chose la plus belle que j'ai trouvée, c'est la façon dont les gens qui sont vraiment très croyants se retrouvent ici. On a vraiment l'impression que ça fait une énorme famille, qu'ils sont tous venus de très loin. Et il y en a, c'est le voyage de leur vie.
Et c'est très émouvant de les voir. Des fois, il y en a qui sont en larmes. Et c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. Peut-être aussi parce que je ne comprenais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé ça beau de voir les gens qui prient et qui sont tous unis en fait. Alors, de voir tous ces gens prier comme ça, enfin, il y en a, ils sont vraiment. Ils prient avec beaucoup de ferveur. Hein, et donc, ouais, on se dit, oui, ils sont convaincus de quelque chose, quoi. Hein. Et c'est assez compliqué de se dire, ouais, est-ce que j'y crois pas. On a le regard des copains qui se moquent un peu, tout ça. Et ouais, ça se fait, on se pose des questions. Hein. J'étais plutôt là pour découvrir le berceau du monde, en fait, parce que même si je suis pas pratiquante d'une religion, les religions sont quand même là et on en entend parler tous les jours. Et puis, c'est quand même très intéressant de savoir d'où ça vient, en fait, et la naissance de tout ça. Je me suis dit, bon, même si ça me plaît pas forcément, je vais m'intéresser à fond et je vais voir comment ça se passe. Et au final, j'ai bien fait parce que j'ai appris plein de trucs. Et je me suis dit que, enfin limite quand on rentre, on se dit mais ça se trouve, enfin Jésus il existe, la religion c'est vrai, enfin voilà, il y a vraiment le Messie, tout ça. Et non mais vraiment, enfin quand on rentre, on est un peu déstabilisé quoi. On parlait que de ça en fait, et je me rappelle, on a passé des heures à parler avec Monsieur Jacquemin, on parlait de la religion, puis on s'intéressait, on avait les yeux grands ouverts dans ce qu'il me disait, alors qu'à Dijon, au bout de 5 minutes, il nous aurait saoulé quoi. Et vraiment, c'est, je sais pas, c'est la magie de ce pays-là. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, enfin, j'ai trouvé ça assez symbolique, c'était le trajet en bus, donc sous le pont, avant de découvrir Jérusalem. Donc pour arriver à Jérusalem, on doit traverser un long tunnel, et donc pendant quelques minutes, on est dans l'obscurité, et dès qu'on sort du tunnel, on se retrouve avec une vue sur tout Jérusalem, avec un beau soleil de jour, et c'est assez beau et assez surprenant. Alors le Jourdain, c'est impressionnant. Les baptêmes, c'est... Ça me faisait presque peur. Parce que le prêtre qui baptisait les femmes ou les hommes, en fait, il leur faisait des câlins et après les trempait dans l'eau, on va dire. Il les versait dans l'eau et c'est... Non, on n'a pas l'habitude de voir ça. J'ai un camarade qui lui a été très choqué par ça. Et puis moi aussi, j'étais un peu marqué, quoi, parce que c'était vraiment... le lieu, c'est vraiment un lieu de vente, de baptême. On doit payer la robe, entre guillemets, on doit payer la douche. Et vraiment, c'est vraiment marbellisé, c'est vraiment le bon mot qu'on peut utiliser ici, parce que c'est le lieu touristique. Une dalle en béton, il y a des barrières en inox, il y a des escaliers faits exprès, il y a des zones de commerce. Mais c'est vraiment une usine de baptême, quoi. Ça m'a intéressé de découvrir toutes les religions qui se croisent et tout ça, mais j'y allais pas en pèlerinage comme des personnes qu'on a pu voir là-bas qui allaient vraiment pour ça. Non, je crois pas que c'était mon but, et de toute façon, c'était le but du voyage n'était pas de faire un pèlerinage, quoi. Et puis, si ça avait été mon but, je pense que j'aurais été déçu parce que les conditions n'auraient pas été présentes, quoi. Il n'y avait pas de dimension de pèlerinage ou une quête de spiritualité. Par contre, une fois qu'on est là-bas, forcément, ça invite chacun à se poser des questions sur sa spiritualité, mais c'était pas le fil conducteur du voyage. Mais quand on visite trois lieux saints, par exemple à Jérusalem, forcément, ça renvoie chacun à ses propres questions. Mais après, ça, c'était à chacun de mener sa démarche, sa réflexion. Et aucun enseignant et moi-même sommes intervenus sur ce sujet. C'est pas un voyage de chrétien, quoi. Un soir, on est allé chez les Bédouins et par hasard, vraiment, on a rencontré une classe israélienne qui faisaient un voyage de classe. En fait, ils ont pour objectif de visiter leur pays. Et du coup, on a fait connaissance avec eux et je suis toujours en contact avec une Israélienne que j'ai rencontrée là-bas. Et c'était vraiment génial. J'aimerais bien refaire un échange, qu'elle vienne à Dijon et moi, je retourne en Israël. Elle doit faire des lettres pour son service militaire, ce que nous, on n'a pas du tout l'occasion de faire. Donc. J'étais surprise qu'ils acceptent aussi facilement en fait, de parler de leur histoire. Même par rapport à la Shoah, ils étaient très ouverts. Tous les professeurs israéliens étaient là pour nous parler, ils prenaient le temps. Et... Eux, la religion, bon, ça les a pas trop marqués. Enfin, ils n'étaient pas trop marqués par la religion.
mais plus par un sentiment, je dirais, genre très patriotique, quoi. Ouais, il m'a dit, ouais, moi, ce que j'aimerais faire, surtout, hein, à l'école, ça marche pas très bien. Ce que je veux faire, c'est rentrer dans l'armée, devenir monter les grades, voilà, défendre mon pays. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. D'une certaine manière, ils refusaient la vision du conflit, mais d'un autre côté, je pense par leurs parents, par l'apprentissage qu'ils ont pu avoir, les connaissances, ils ont une certaine vision nationaliste, presque. On a bien eu une discussion avec des inconnus israéliens. Et pour le coup, eux, ils ne parlent pas de l'évocation d'un État palestinien, mais du moins, ils parlent moins d'un rejet des Palestiniens. Ils pensent que c'est pas de leur génération, que c'est pas leur problème. Et moi, du moins, j'espère que de ces générations, quand elles seront plus grandes, on pourra avoir l'idée d'un partage de l'État ou de deux États, ou enfin, d'une solution. Et ce qui est marrant dans ces rencontres-là, c'est qu'ils ont deux points de vue complètement différents. Par rapport surtout au conflit, parce que souvent on dit ça va, on commence à sympathiser avec eux, puis à chaque fois on vient le fait de parler de conflit, du conflit, parce que c'est un peu ce qui nous intéressait surtout, puis savoir ce que les jeunes y pensaient. Et en fait, la réponse des Israéliens, c'est « Hein ? Il y a un conflit ? Il y a un conflit ?» Enfin, ils s'en rendent même pas compte, alors que les Palestiniens, ils disent « Bah oui, il y a un conflit, on a vraiment envie d'avoir un État, on a des gros problèmes, on se sent comme… » Moi, je me rappelle, on se sent comme enfermé, on se sent comme constamment en prison. C'était un jeune qui nous avait dit ça d'une vingtaine d'années. Les jeunes palestiniens, ils n'ont plus trop d'espoir. Moi, je me rappelle avoir discuté avec une palestinienne qui était sympa et tout. Elle disait, ouais, bah, le mur, il est là, enfin, on va être cloîtrés là toute notre vie et puis c'est fini, quoi. Je trouve ça bien que la nouvelle génération, enfin la mienne, espère vraiment que ça va cesser. Parce que, par exemple, notre guide paraissait très réticent à l'idée de l'unification, enlever les frontières ou créer l'État de Palestine. La vision que j'ai des élèves est étonnante au cours de ce voyage, car au début je l'ai trouvé naïf, et d'autant plus naïf qu'ils ne se rendaient pas toujours compte que le guide que l'on avait, qui était un sioniste convaincu, avait parfois des propos très choquants. Mais comme le guide était un bon guide, humain, sachant faire des blagues, les élèves ne se rendaient pas compte de ce qu'ils pouvaient dire de choquant. Il parlait bien avec nous, il nous expliquait tout ce qu'on pouvait lui poser n'importe quelle question, il nous répondait, c'était un échange agréable. En fait, oui, il était très, très sympathique. Et ça rendait la chose encore plus compliquée pour moi, parce que donc pendant les 3-4 premiers jours, on a entendu uniquement son discours. Parce qu'ensuite, M. Charbon nous a expliqué quand même, le guide, il y a pas mal de choses, historiquement c'était faux ce qu'il disait. Et moi je me suis laissé clairement embobiner. Hein. Et c'est vachement troublant de se dire, ouais, en fait, t'es un peu con dans ta tête. Enfin, pour nous, c'était le chauffeur, le guide, allez, vous êtes potes, vous mangez ensemble, vous allez boire des coups ensemble le soir. Non, pas du tout. Tu avais un Israélien, un Palestinien. Il nous a arrêtés devant quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir. On était fatigués. On nous pose devant une... Je sais pas, c'était... Il y avait trois tombes. Et il nous dit... Il nous fait un mot, une phrase. Un Israélien mort vaut 1000 Palestiniens vivants. Donc on a très vite compris qu'il était à droite de l'échiquier politique israélien. Donc il avait un discours que les élèves n'ont pas tout de suite décrypté. Mais au fur et à mesure des rencontres avec d'autres... personnages, d'autres personnes, ils ont appris à décrypter un peu plus le discours de notre guide, être critique, lui renvoyer d'ailleurs des fois quelques aberrations ou contre-vérités, et progressivement, oui, ils ont bien compris la complexité des rapports entre Israéliens, Palestiniens, et puis après il y a des choses qui sont manifestes, hein. Quand on arrive à Jérusalem et qu'on voit le mur de séparation, là, les rapports géopolitiques, la question de la frontière, on saute aux yeux. Donc ça a bien aidé aussi. Je pense que mon plus beau souvenir, ça reste quand je suis allé au mur des Lamentations. C'était donc le centre du judaïsme, en gros. Et
Et là, je me suis dit, je vais me mettre à fond dans le truc. Et en fait, je voyais des Israéliens qui priaient. Et en fait, moi, j'y suis allé, j'ai posé ma main sur le mur. Et donc, j'ai fait une petite prière comme ça. J'ai vraiment joué le rôle, joué le jeu à fond, quoi. Et j'ai, enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai ressenti quelque chose et j'étais bien, j'avais pas envie d'enlever ma main, quoi. Et c'était vachement étonnant, j'avais pas envie d'enlever ma main. Ce que j'ai préféré, ça a été la nuit chez les Bédouins. C'était vraiment inédit, enfin, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. On a eu un accueil très chaleureux. C'était intriguant, en fait, de voir vraiment une communauté qui vit complètement différemment de la nôtre. Moi, c'est assez bizarre, différent des autres. J'ai adoré, moi qui adore le cinéma, quand on allait voir la tombe de Schindler. Ça, c'est un truc, quand tu vois, quand tu poses ton caillou, quand tu regardes bien le film La Liste de Schindler, tu vois à la fin que toutes les stars, bah, tous les acteurs viennent avec leur personnage réel et qui posent la pierre. Bah, je peux me dire, moi, je l'ai fait, quoi. Mémorial des enfants. À Yad Vashem, c'était vraiment intense, quoi. Déjà, le mémorial, enfin, pas des adultes, mais de l'histoire en soi, c'était quand même impressionnant. Enfin, on rentre, on voit les photos, c'est des vraies photos d'archives. Enfin, ça a appartenu à quelqu'un qui est décédé, donc c'était assez impressionnant. Puis quand on est rentré dans le mémorial, enfin, c'était bouleversant, vraiment, faut s'accrocher, quoi. Je dirais le Masada. On est allé dormir la veille chez les Bédouins. Donc, dans le désert. On n'avait pas dormi, on était très fatigués. On a monté une grande colline. Et là, on a attendu le soleil se lever, sauf que le soleil a mis du temps à se lever, du coup, on a attendu pas mal de temps. On était un peu tous dans les vapes, mais franchement, c'est un beau souvenir, parce que quand le soleil s'est levé, c'était magnifique. Même si on a les têtes endormies sur les photos, c'était sympa. Tellement on en a pris plein les yeux pendant une semaine, je saurais pas si peut-être le mieux c'est quand on est dans l'école lassallienne et qu'il nous a fait monter sur le toit et qu'on avait toute la ville devant nous. Il y a une terrasse dans la vieille ville de Jérusalem, donc c'est une grande terrasse, je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, avec une vue panoramique sur le Saint-Sépulcre, le Dôme du Rocher, le Mont Sinaï, enfin tous les grands lieux de Jérusalem. Et là, ouais, on en a pris tous plein les yeux et je crois que le voyage, il a vraiment, vraiment pris toute son envergure à ce moment-là parce qu'il y avait une excitation partagée en se disant on est là tous ensemble. Et c'était assez fort. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde qu'il faut y aller, il faut aller le voir parce que c'est un pays qui tente pas forcément, enfin deux territoires qui tentent pas forcément, mais au final c'est vraiment mais magique à voir en fait et c'est super intéressant. Et j'ai un copain qui est à côté au Castel. Il allait à Venise. Je me suis dit, ouais, Venise quand même, nous on va à Jérusalem, on va là où il y a des bombes et toi tu vas dans la ville de là pourquoi ? Je pense qu'on irait dans n'importe quel lycée, tu vas à Barcelone, tu t'amusais pendant une semaine, t'allais à la plage, acheter des souvenirs, bon t'étais super content, t'allais voir le Camp Nou, super pour toi, tu rentres, le voyage est terminé. T'en parles une semaine, c'est terminé. Que nous ça va faire encore 6 mois, on en parle encore, on a fait une conférence dessus et je pense que quand on fait une interview, bah, tout le monde est présent. Et même tout le monde se porte volontaire pour le faire parce qu'on a vraiment envie de le faire, on a vraiment envie d'exprimer ce qu'on a vu. Et ouais, c'était juste magnifique, quoi. Bah c'est quand même un beau pays. Hein. Enfin, les paysages, tout ça, c'est vraiment pas mal aussi. Mais les populations, tout ça aussi, la culture, ce mélange, c'est vraiment intéressant. Hein. Moi, ça m'a bien plu. Disons que je regarde plus les infos quand on parle d'Israël et Palestine. Je vais plus m'intéresser puisque maintenant, je suis vraiment au courant de ce qui se passe. Maintenant, je me sens plus concernée, en fait, puisque j'ai vu. Et je me dirais un petit peu capable quand même de juger, contrairement aux autres qui y sont jamais allés, en fait. J'ai pris conscience, c'est bête, mais que la guerre pouvait exister. Dans le sens où en France, ben, on est plutôt bien lotis, on n'a pas concrètement de gros problèmes chez nous, enfin, dans notre pays. Alors que là, il y a une frontière, une petite frontière, et on sent qu'il y a des tensions, quoi, et que le moindre truc, ça peut péter. Ça a remis beaucoup en cause, ben, comme je disais déjà, tout ce qui est religion.
Enfin, moi, je sais que j'avais envie de respecter la religion. Ça me donne plus envie de respecter la religion des autres. Enfin, de pouvoir pratiquer la mienne comme je le sens. Je pense que dans cette région du monde, il faudrait que les Israéliens ne veulent pas tout dominer. Laisse un peu de place aux Palestiniens pour que. Il faudrait qu'ils s'entendent, tout simplement. Pour les Israéliens, enfin, c'est pas tant un conflit, c'est un peu eux les rois et c'est pas d'eux que vient le problème. Et d'avoir entendu des Palestiniens nous en parler, c'est vrai que ça fait changer vraiment d'avis parce qu'on a tendance à se dire qu'Israël, c'est le pays du peuple qui a pris. Enfin, qui est depuis le début de l'humanité, qui a plein de misère et en fait, ils sont pas tout blancs non plus. Donc c'est vrai que ça a permis un peu de remettre les choses en place. Je n'ai jamais vécu de voyage scolaire qui ait à ce point exigé un retour sur expérience et qui a connu un retour sur expérience aussi riche. Parce que chaque fois qu'on y revient, on y découvre des choses nouvelles. Oui, il y a des élèves qui ont engagé voilà, une réflexion. Ils ont compris qu'il fallait peut-être être un peu plus critique, moins croire les choses rapidement. C'était beau de voir une classe constituée d'élèves très différents, de spiritualités très différentes. Il y avait des pratiquants, il y avait des athées, il y avait des élèves de religions différentes. Et chacun a pu vivre pleinement ce voyage. Ceci est très étonnant. Je sais que ça a créé quelque chose entre eux et moi pour longtemps, quoi. Hein. Bon, ils m'ont fait un petit cadeau, voilà, mais je pense que voilà, leur remerciement, il se vit tous les jours. Alors, je ne vais pas en faire de trop, mais enfin, grosso modo, c'est ça, quoi. Je vois bien que ça a créé quelque chose. We'll be right back.